Et salut à tous, c'est Usu pour les jeux du Cygne, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur les fourmis. À l'épisode précédent, nous avons fait une grande bataille compliquée et ensuite nous sommes partis en mode exploration. Et donc ici, on va voir quel sort nous réserve-t-on. Normalement, il en reste deux, c'est ça, c'est les deux dernières. Est-ce qu'on les finisse dans cet épisode? Peut-être. Peut-être pas. Et voilà, la fameuse 103. C'est rare d'entendre un nom autant apprécié par les temps qui courent. Tu as fait tes preuves, mais le vrai test commence maintenant. Les termites sont en chemin vers la prairie du pacte ancien. Affronte-les et efface leur nom de l'histoire. Prairie du pacte ancien? Il y a bien longtemps de cela, ce bout de terre servait de marché de négoce. Nous échangeions du bois, de la viande et même des escargots vivants. Ce n'est plus qu'un lointain souvenir, la forêt n'est que violence désormais. Les termites haïssent à Yukan. Qu'importe le passé, il a été effacé par la cupidité et la haine. Rappelle-toi ces mots. Le temps n'existe que pas lorsque la guerre pointe son nez. Combien de légions de termites? Nous n'avons pas pu dépêcher davantage éclaireuses, alors nous ne savons pas. Mais l'inondation a aussi touché les termites, ne les sous-estime pas. Mais tu le sais déjà, j'en suis sûr. Ok, on est parti pour une belle bataille alors. Ok. Est-ce que je peux demander la cartographie? Il y a quoi d'autre ici? Alerte d'activité, entraînement d'éclaireuse. Non, le reste on va laisser. Que peut-on demander? Sylviculture. Interagir. Alors ici, je vais commencer par demander des artilleuses. Très bien. Là, je vais demander de la nourriture. Et on n'a pas de bois, donc pour le moment, on ne fait rien. Ok. 57. On va attendre un peu. Venez ici. Ouais, non, j'ai zéro ressource. Attends, là plutôt. Ou alors lance, vas-y, lance l'assaut. Les autres viendront t'assister dès qu'elles arrivent, elles sont un peu loin. Mais on a besoin rapidement de ressources, donc. Parce que là, ce qu'il faudrait, c'est une défense. En fait, il faudrait des défenses pour les deux nids. Ou alors on fait pas de défense et on part vite en explo pour essayer de trouver autre chose. Mais il me faudra le alerte ni attaquer. Et ça aussi, il me le faudrait. Est-ce qu'il me faudrait aussi, à mon avis, je vais prendre un deuxième groupe d'artilleuses. Voilà, j'aime bien jouer les artilleuses en vrai. Donc. C'est celui-ci, hein, et c'est 30 ce qu'il me faut. Bien, recule. Et c'est quoi? C'est de la nourriture, très bien. Ok, ici, donc,
Là-bas, on a un truc, mais j'explore ce secteur. Il y a un nid. Là, il y a un signal. Ah, mais point de ravitaillement qui se fait attaquer, j'ai l'impression. Pendant que la bataille se fait, je vais m'assurer d'avoir l'ensemble de cette zone pour pouvoir y placer, comment dire, un... que ce nid me serve de point de défense. Ok, mais ici, rien d'autre. Très bien. Ok, alors, interagir, on va demander... On commence par les artilleuses, ici. Ah bah j'ai plus rien. Par contre je peux demander, j'ai demandé un deuxième unité de guerrière je pense. Et la défense c'est 60. Ça ici, phéromone de vitesse, bof. Ce qu'il me faut c'est... la ferme, la sylviculture et ça. Parce que ça, c'est pas pour tout de suite. Ok, est-ce qu'elles vont... Ouh. Je sais pas où elles vont aller, donc on reste découvert leur nid. Très bien. Venez, on va les attaquer. On va essayer de les prendre à revers. C'est pas grave, hein, c'est tombé, c'est normal.
Et là on va rien en faire. On va juste construire sylviculture je pense. Et la réserve. Interagir, tac, sylviculture. Et réserve, ok. Et si ça augmente nos points. Hop, on va aller se mettre en haut. Elles sont toutes les deux là. Ok, très bien. Hop, et ici. J'hésite, mais je vais commencer par les défenses ici. Ok, alors, interagir. Alors, je vais commencer par sylviculture, stockage. Ok. Les artilleuses. Ouais. Oui, je sais qu'ils attaquent. Mais nous aussi, on attaque. Retourne là-bas. Parce que s'il doit y avoir une attaque, ce sera là-bas que je la mettrai. Parce que justement, elle est hyper bien placée. Alors là, on va pouvoir mettre la défense. Ok, le nid est juste à côté. Il est bien défendu, non? On va attendre qu'elle se soigne quand même. Non, parce que là,
Mes guerrières sont en très mauvais état. Il me faut vitesse et renfort, peut-être en pouvoir interagir. Pouvoir. Phéromone de vitesse. Allez, je peux en prendre qu'une seule. J'ai l'impression qu'elles risquent d'attaquer. Ah, l'autre côté va être embêtant. Parce qu'elles ont attaqué la réserve. Hop, interagir. Phéromone. Ah, renfort ou rage? Rage. Mettez-vous en arrière. Allez-y à l'attaque. Elles s'en vont, elles vont juste être 10 000. Oh, elles reviennent? Non. Interagir, alors ici. Qu'est-ce qu'on va demander? On va demander... j'ai commencé par demander les laboratoires. Et l'agrandissement du stockage. Ici, j'ai plus rien. Par contre, là, je peux demander... renfort. Ouais, bah il s'approche hein, de là-bas. Ok. Je vais attendre. Pas trop longtemps. On a trouvé le cœur de leur nid, enfin le nid. Donc c'est ça qu'il faut viser. Alors, est-ce que le laboratoire a été construit? Non. Oui, il est en cours. Très bien, il est construit. Donc ici, je vais demander le super prédateur. Ah, je peux pas le super prédateur. Pas assez de chambre. J'ai demandé une... une guerrière V2 alors. En route. On lance l'attaque. Ah. Ouch. Très bien. Elles attaquent. On peut attendre alors. Restez là. Si elles s'en vont, à l'attaque. Alors, rage pas, ok. Thank you.
Allez. Hop, on se soigne. Et on réattaque. Voilà, c'est la fin. Enfin, en espérant que ce soit la fin. Jusqu'à présent, dans le jeu, c'était le cas. Quand on détruisait le nid, mer, c'était la fin. Victoire, yes. Et il devait rester au moins 2 nids, je pense. Parce qu'il restait 3 unités quand ils nous ont attaqués. J'hésite, mais du coup, on va pas finir l'inondation aujourd'hui, on va s'arrêter là. Ça fera un court épisode après un long épisode. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, laissez vos commentaires. Ils seront lus et répondus avec plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer la suite, mais également les autres séries de grande qualité qu'il y a sur la chaîne. Sur ce, on se laisse, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.